Yes, les amis, ça y est, il est 3h02 du matin, c'est l'heure du décompte. Donc ça fait 12 heures que je regarde des vidéos de personnes qui font la cuisine pour, au final... Alors pour être franc avec vous, imaginez le rêve si ça fonctionne. Être payé à regarder des vidéos, c'est une chose en fait qu'on fait déjà au quotidien. On regarde des vidéos sur YouTube, on regarde des vidéos sur Netflix. Et imaginez pouvoir être payé à faire ça. En plus, sur les vidéos des YouTubeurs américains, j'ai vu qu'on pouvait choisir la catégorie de la vidéo qu'on souhaitait regarder et être payé en regardant cette vidéo. Ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis longtemps doivent savoir que je suis le spécialiste pour tester ce genre d'applications qui promettent de gagner de l'argent. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je vous assure que je prépare un challenge qui va énormément vous intéresser d'ici 2 semaines environ, c'est-à-dire abonnez-vous bien à ma chaîne YouTube. Parce que vous risquez pas d'être déçu. Deuxièmement, je vous ai préparé un petit bonus à la fin de cette vidéo et c'est un bonus qui va en intéresser plus d'un parce que je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous intéressez vous aussi à faire de l'argent. Par contre, si vous voulez obtenir ce bonus, regardez chaque seconde de cette vidéo jusqu'à la fin. C'est hyper important, je le répète. Regardez chaque seconde de cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vous donner une meilleure compréhension afin d'exploiter le bonus au maximum. Alors pour être totalement honnête avec vous, je ne sais pas du tout comment ces sites fonctionnent et pourquoi ils nous rémunèrent à regarder des vidéos. Et ce qui est bien, c'est qu'on va le découvrir ensemble. Et deuxièmement, je vais faire ça pendant 12 heures parce que 12 heures, c'est à peu près le temps d'une journée de travail. Je sais que c'est un petit peu moins une journée de travail, mais voilà. 12 heures, ça nous laisse imaginer, si on fait ça pendant 30 jours, combien ça va nous faire tous les mois. Ça va nous permettre d'avoir une idée de combien on peut faire tous les mois en regardant des vidéos sur internet. Yes les amis, c'est l'heure de commencer, on va pas perdre plus de temps, je vais aller directement dans mon bureau. Abonnez-vous bien à ma chaîne YouTube et mettez un like s'il vous plaît parce que je vous assure que ça va pas être une partie de plaisir de regarder des vidéos pendant 12 heures. Yes les amis, ça y est, on y est, donc il est actuellement 15h46 de l'après-midi, c'est-à-dire que jusqu'à... Il me semble 3h du matin, j'y suis. Mais bon, on va commencer. Et au préalable, j'ai regardé les sites qui payaient le plus en regardant des vidéos du coup de YouTubeurs qui avaient déjà fait ce concept-là. Et j'ai pu voir qu'il y a des sites qui payent plus que d'autres. Ça veut dire qu'on va essayer de faire le maximum d'argent au cours de ces 12 heures. Et pour ça, on prend les sites qui payent le plus, mais on va en tester pas mal afin de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ainsi qu'à la fin, je ferai une conclusion sur quel site sont les plus rentables. Alors donc là je commence par un site qui s'appelle Airazu et ce site là en fait je l'ai vu à de nombreuses reprises dans pas mal de vidéos et les gens disent ok ce site là il est assez rentable, du coup on va vérifier ça de suite et je vais commencer par m'inscrire sur ce site. Alors au niveau de l'inscription c'est comme un site classique. Alors il me demande mon email, je sens que ça va être comme la dernière fois, donc je vous l'ai pas dit mais sur mon dernier challenge où j'ai testé pendant 8 heures des applications pour gagner de l'argent, je ne vous dis pas le nombre de mails spam que j'ai reçus le mois d'après. Genre, j'ai dû faire me désinscrire au moins des centaines de fois tellement j'avais mis mon mail, en fait, dans cette vidéo. Là, ça va être pareil, mais c'est pour la bonne cause. Yes, les amis, ça va faire une demi-heure que je suis sur ce challenge, j'en peux déjà plus. En fait, ils me font changer 3 fois de site. Je dois m'inscrire 3 ou 4 fois juste pour regarder une vidéo. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis caché avec vous, ça commence mal. Mais bon, j'ai trouvé un site qui pourrait résoudre ce problème. Je vais tester ça de suite. Mais en tout cas, j'ai testé 2 sites à l'heure actuelle. Et les 2 sites, le problème, c'est qu'ils me proposent une vidéo et puis après, ils m'en proposent plus. Ou sinon, il m'envoie en fait vers 4, 5, 6 sites différents afin que je m'inscrive en fait à chaque fois pour au final gagner 0,001 centime. Mais heureusement pour moi, on m'a communiqué un site qui m'a l'air de bien fonctionner. Je vais tester ça de suite. Et on se dit à dans 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Allez. Thank you.
Yes, les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai enfin trouvé un site web qui répond enfin, on va dire, à peu près à mes critères. Genre, c'est Hideout TV. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de faire autre chose tout en gagnant de l'argent ou pas. Mais ça me permet de faire autre chose et j'ai juste en fait à mettre les vidéos en background et c'est bon. C'est-à-dire que ça, c'est bien. Et toutes les vidéos, elles se relancent. C'est-à-dire que j'ai pas à changer de site ou à me réinscrire toutes les 30 secondes sur un autre truc. Pour faire un petit débrief, ça va faire presque 2 heures. Alors, c'est pas glorieux pour le moment, je suis à 2,6 points du coup. Et en fait, le principe de ce site, c'est qu'en fait, on convertit ces points en bons d'achat ou en argent. C'est-à-dire que je vais checker à peu près à quoi correspondent 2,6 points. Mais bon, continuons pour voir jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire combien d'argent on peut gagner en 12 heures. Et aussi, j'ai pensé à une chose, vu que tout se fait en background, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec mon téléphone. C'est-à-dire, je vais mettre aussi mon téléphone et je vais regarder les vidéos avec mon téléphone pour gagner de l'argent. Je vais le faire avec plusieurs onglets sur mon ordinateur. Et pourquoi pas utiliser aussi un autre ordinateur pour voir ce que ça donne avec trois ordinateurs simultanés. Et j'espère vraiment que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne, ça pourrait dire qu'on peut tripler nos revenus. Et imaginez si on fait ça avec 5, voire même 10 téléphones ou même 10 ordinateurs. Je me demande sincèrement, est-ce qu'on va pouvoir se sortir un salaire en faisant ça avec plusieurs téléphones? Bref, je vais reprendre du coup la réponse dans les prochaines minutes de cette vidéo. Alors, je sais pas si vous en rendez compte, mais toutes les vidéos que je regarde depuis tout à l'heure, ce sont des vidéos de cuisine où je regarde des personnes faire la cuisine. Genre avec une musique désagréable d'ascenseur en arrière-plan, clairement c'est un enfer. Genre c'est un enfer. Ça fait 1h30, 2h que je fais ça, mais je sais pas comment je vais tenir jusqu'à 3h du mat. Parce que en fait ça rend totalement fou, genre écoutez juste. Aprovechez el 100% de la masa. Cette musique ou ces paroles en fait, genre depuis 2h c'est comme ça et ça s'arrête pas en fait, vu que le principe c'est que des vidéos de cuisine. Yes les amis, alors il est 1h14 du matin, il me reste encore 1h30, mais je vais vous faire une petite vidéo juste pour vous montrer comment ça fonctionne ce système. C'est-à-dire comment vous pouvez récupérer vos points, qu'est-ce que vous pouvez faire avec quoi. Parce que c'est important de regarder des vidéos pendant 12 heures, mais il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors en gros le principe, il est très simple, vous cumulez des points, et avec les points que vous cumulez, vous les convertissez par exemple en PayPal, carte PayPal de 50€. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'argent sur PayPal avec ça. Vous pouvez aussi avoir PayPal 100€, PayPal 10$, PayPal ou Amazon 5€ de carte cadeau. Et en fait, vous convertissez ça en carte cadeau. C'est-à-dire que c'est intéressant en soi sur le papier, parce que ça vous permet de convertir vos points en réel argent. Parce que l'argent PayPal, elle est réelle, c'est-à-dire que ça vous permet clairement de convertir vos points en argent. Mais après, la question, c'est combien de temps il faut pour, par exemple, avoir une carte PayPal de 10$. Parce qu'il faut aussi se poser la question, combien de temps ça prend? Parce que si vous passez 2 mois pour avoir une carte PayPal de 10$, bah, c'est pas rentable. Yes, les amis, ça va faire 2h30. 2h30 que je regarde des vidéos de cuisine. Je vous assure que j'en peux plus, genre, clairement. Je sais pas pourquoi, c'est que des vidéos de cuisine et pourquoi il n'y a pas d'autres vidéos. Je vais chercher, en gros, la raison et je vais vous la donner après. Mais en tout cas, tout ce que je retiens, c'est que des vidéos de cuisine depuis 2h30. Alors, je vais pas vous dire encore à combien de points je suis, à combien d'euros je suis. Je vous laisse un petit peu le suspense. Mais pour vous dire, alors j'ai essayé de mettre avec mon téléphone. Et le problème, c'est que je récolte des points, je récolte de l'argent. Mais ce n'est pas sur le même compte que sur mon ordi. Ça veut dire, ça fonctionne. En réalité, j'ai bien plus de points que vous allez voir à l'écran. Parce que j'ai aussi des points sur mon téléphone. Alors du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si vous prenez un téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones, vous pouvez cumuler des points en même temps et donc cumuler bien plus d'argent en même temps. Bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est que quand vous essayez ça avec un autre onglet sur votre ordinateur, bah, ça ne fonctionne pas. Ils ont mis un système, une sécurité. J'ai envie de dire sinon, ce serait trop simple. C'est que si vous ouvrez une nouvelle fenêtre sur votre écran, bah, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas gagner des points sur la deuxième fenêtre. Vous allez gagner autant de points que si vous regardez une vidéo. Du coup, mauvaise nouvelle, mais bon, ça, je m'y attendais un petit peu parce que sinon, imaginez que vous prenez 5 ou 6 ordis et vous ouvrez 3000 onglets, bah, vous allez très vite faire de l'argent.
Mais bon, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça, on oublie cette solution. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter les pauses toutes les heures, parce que sinon, j'en ai pas fini sur 12 heures s'il y a 12 pauses. Et je vais faire une bonne traite de 4 heures, et on se retrouve d'ici 4 heures, 5 heures, ça va dépendre de mon mood. Mais on se retrouve d'ici 4 heures, 5 heures, les amis. Allez, à toutes. Yes les amis, plus qu'une heure et demie environ, après je fais le décompte et let's go, c'est fini, je vais pouvoir enfin dormir. Abonnez-vous à ma chaîne, donc on se retrouve dans quelques minutes pour vous et une heure et demie pour moi pour le décompte et abonnez-vous bien à ma chaîne YouTube, ça ne l'est pas encore fait les gars, et mettez un pouce bleu. Yes les amis, ça y est, il est 3h02 du matin, c'est l'heure du décompte. Donc ça fait 12 heures que je regarde des vidéos de personnes qui font la cuisine pour au final 66 points. Donc, vous vous demandez à quoi correspond 66 points, combien ça fait de bons d'achat PayPal par exemple, on va faire le calcul avec PayPal et on va ensuite faire le calcul de combien je pourrais gagner au mois si je fais ça 12 heures par jour. Yes, alors on y est, 66 points, j'ai récolté ce qui, en fait il faut les convertir et ça équivaut à 8 swag bucks. Donc, on va voir ce qu'on peut avoir avec 8, je ne sais plus parler à cette heure-là, Swagbuck. Et en gros, pour vous dire, si vous voulez juste une carte PayPal de 10$, il vous faut 1000 Swagbuck. Et j'en suis à 8, après être passé 12 heures sur à regarder des vidéos de cuisine. Donc, faisons le calcul au mois combien je pourrais gagner. Alors, je vais le faire de suite. 30. On imagine qu'on travaille le dimanche, le lundi, le vendredi. Hein. Alors, pour vous donner une idée, si vous voulez avoir cette carte PayPal de 10$, il faut faire ça pendant environ 4 mois pour avoir cette carte PayPal de 10$. Donc, comme on dit, la question elle est vite répondue. Je pense que c'est pas hyper intéressant de faire ça, à moins que vous voulez clairement devenir fou et à regarder des vidéos non-stop. Mais bon, ceci dit, si vous faites ça avec 3-4 ordinateurs différents, vous pourrez peut-être gagner 10$ par mois en revenu passif, mais bon, je pense pas que ça vous intéresse. Donc maintenant, le petit bonus, comme promis, parce que vous avez regardé chaque détail de la vidéo en entier, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce que ça va vous permettre de comprendre la conclusion qui est qu'il faut se concentrer sur un réel business. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Raphaël GNN, j'ai 21 ans depuis peu, et je suis devenu millionnaire du coup avec mon agence SMMA. Donc une agence SMMA, en fait, c'est de la prestation de services pour les entreprises. On va aider des entreprises à se développer. Ça va faire 2 ans que je fais ça et j'ai réalisé mon premier 1 000 000 d'euros de bénéfices il y a quelques mois déjà. Et je suis aussi le fondateur du programme d'accompagnement SMMA Incubator qui aide les personnes à se lancer dans le SMMA. Et je vous ai préparé une petite surprise. Si vous souhaitez vous aussi développer votre agence et déjà comprendre dans un premier temps ce qu'est le SMMA, comment ça fonctionne, je vous invite à suivre le premier lien dans la description. Vous cliquez sur le premier lien, tout est gratuit, hein, je tiens à préciser. Vous mettez votre email pour recevoir 3 vidéos que j'ai réalisées qui sont une formation gratuite pour vous apprendre à créer vous aussi votre agence. Et si vous souhaitez aller plus loin, ce que vous faites, c'est que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous allez voir toutes mes vidéos sur le SMMA. Et on se dit à la prochaine les amis. Et conseil, ne faites pas ça, ne reproduisez pas ça chez vous les amis, c'est éprouvant.